C'était un des objectifs de la commune, fournir des légumes aux habitants de Barrette-Ally tout au long de l'année, car ici les marchands ambulants ne passent plus. Avec l'association du village, Damar et Amonte, ce maraîcher a pu s'installer avec sa famille et cultiver des terres. Sa situation est encore précaire, les revenus tirés de son exploitation sont encore insuffisants. Cette année, on est en gros, c'est un peu une année charnière, où du coup, l'idée, c'est qu'on continue à développer l'activité. À l'heure actuelle, on n'est pas du tout encore à cet objectif, mais on y travaille. Afin d'utiliser au mieux toutes les ressources du terroir, William récupère et utilise des semences anciennes. Ces graines ont été échangées et partagées lors d'une journée portes ouvertes sur les potagers. Cette initiative a permis non seulement de dynamiser le village, mais aussi de créer une grainothèque. Là, on a des pompons d'oignons du Cap qui ont pas encore été triés. Voilà, on voit. Dire ça, c'est ce qui a été fait depuis que l'homme fait de l'agriculture. C'est depuis la révolution industrielle et agricole qu'on a tout balayé, mais sinon, c'est ce qui s'est toujours fait, quoi. Toutes ces initiatives suffiront-elles à enrayer la désertification du village? Pas sûr, car le chemin est sinueux. Il y a 3 ans, William et sa famille ont eu l'opportunité d'utiliser des terrains communaux. D'autres couples devaient s'installer, mais l'isolement du village et les problèmes fonciers ont fait échouer d'autres tentatives. Ça va ? On dit c'est à ma famille, oui, mais le problème c'est que ça remonte parfois à l'arrière-arrière-grand-père ou à l'arrière-arrière-grand-oncle. Et que souvent ils sont plusieurs héritiers et personne n'est d'accord. Et puis les coûts pour faire les titres de propriété, c'est extrêmement élevé. Pour la commune, une des portes de sortie serait de récupérer les biens sans maître, des biens immobiliers dont le propriétaire est inconnu ou disparu. Les communes font l'analyse des terres qu'elles veulent récupérer, commencent à faire une première recherche généalogique relativement complète. Et ensuite, une fois qu'on a fait notre choix, on envoie tout ça au GIRTEC pour confirmation. Et à ce moment-là, après, bon, c'est la procédure, c'est-à-dire délibération, arrêté, parution dans les journaux d'annonce légale, etc. Et au bout de, disons, allez, d'une année, la commune peut se retrouve propriétaire. 134 habitants, 68 ans de moyenne d'âge, Barrette-Ally ne veut pas mourir. Il y a 40 ans, le village se démenait dans la même problématique, alors qu'autrefois, les jardins s'étendaient de la mer aux collines. Comme d'autres communes, ce village a besoin d'un soutien politique et économique. Il est urgent d'agir si on ne veut pas voir disparaître tout un patrimoine sous un immense roncier.